Et le monde de la BD a perdu le créateur de Michel Vaillant. Jean Graton est décédé ce 21 janvier à 97 ans. Michel Vaillant était sa principale série, une saga familiale dont il a signé 70 albums. Auteur et dessinateur, Jean Graton aura marqué la bande dessinée, mais pas que. Marc Bourne, dessinateur et scénariste, Yves Lénois nous en parle. Il a participé au dessin de 6 albums de la nouvelle saison et nous présente cet artiste novateur. Il avait un coup de pinceau assez extraordinaire. Il ancrait tout au pinceau. Enfin, les graphistes, les dessinateurs sauront de quoi je parle. Enfin, c'était un dessinateur qui était sous-estimé parce qu'on a tendance à dire que ses personnages avaient tous la mâchoire carrée, ils avaient tous un peu la même tête. Mais il faut voir, il faut étudier attentivement son graphisme pour voir la force qu'il avait et l'innovation aussi dans le traitement de la vitesse, le traitement du mouvement. Et la narration, enfin, c'était un très grand auteur de bande dessinée qui marquera l'histoire de la BD. Et qui a créé en plus un personnage mythique qui est sorti des cases de bande dessinée, puisque Michel Vaillant, il y a eu des vaillantes qui ont couru au Mans. Un personnage mythique donc qui aura en fait dépassé les barrières de la bande dessinée avec une grande notoriété, notamment dans le milieu du sport automobile.